Et bienvenue à l'Église Le Portail en ligne. Je me présente Simon Archambault, pasteur à l'Église de Portail. Si tu nous écoutes pour la première fois, permets-moi de te présenter notre Église en une minute. L'Église Le Portail, c'est une Église, mais représentée sur pas moins de quatre sites Laval, Terrebonne, Saint-Eustache, Abitibi et Dieu Volant. Pour Pâques 2023, nous ouvrirons un cinquième site situé à Montréal-Nord. Notre mission est la suivante, aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors si tu désires en savoir plus, je t'invite à visiter notre site internet www.égliseleportail.com ou bien notre page Facebook afin de connaître notamment nos différentes heures de réunion, adresses et les endroits où tu peux trouver nos sites. Notre Église offre différentes activités hebdomadaires. Nous avons notre service CLIC pour les enfants jusqu'à 12 ans, tenu par des bénévoles qualifiés, et ce sur tous nos sites lors de nos réunions. Notre ministère Accès pour les ados ou Portail Jeunes adultes pour les jeunes adultes se retrouve normalement les vendredis soirs à 19h30. Vous pouvez suivre l'horaire des activités sur les différentes pages Facebook respectives, accès pour les ados et PGA pour les jeunes adultes. Aussi, nous avons des petits groupes qui se réunissent en semaine afin de partager la parole de Dieu et prier ensemble. Vous pouvez écrire à notre équipe de petits groupes à Petit groupe avec un S à commercial église portail.com. Finalement, nous sommes rendus au temps du message car nous partageons la bonne nouvelle de Jésus à chaque semaine à travers nos prédications. Alors, sans plus tarder, écoutons cette bonne nouvelle aujourd'hui. Bonjour tout le monde, très content de commencer cette nouvelle série du portail sur le livre de Job. Job est un livre qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et c'est un croyant qui a tout perdu sauf la foi. Ah, on peut tout perdre, mais ne perds pas la foi. Et plusieurs personnes, quand euh, plusieurs personnes, quand tu penses au livre de Job, certains sont très excités, d'autres trouvent que c'est un livre un peu euh, triste, pessimiste. Mais je te garantis que cette série va être inspirante, bénissante, réconfortante, édifiante. C'est une série de huit prédications, parce qu'il y que 42 chapitres dans le livre de Job et Peut-être que tu trouves que c'est beaucoup, pas assez, je ne sais pas, mais Jean Calvin, il y a plusieurs centaines d'années, a prêché, dans une année, 159 messages. Il y avait 159 prédications sur Job. Donc, au portail, on en a 150 de moins. Et la chose que tu dois comprendre, c'est que contrairement à la croyance populaire, le thème du livre de Job n'est pas la souffrance. Le thème, ce n'est pas la souffrance. C'est la confiance, c'est l'espérance en Dieu. Et c'est pourquoi le titre de la série, c'est Perspective. Tout est une question de perspective, tout est une question de comment tu vois ton épreuve, comment tu vois l'action de Dieu dans ta vie. J'aime cette histoire du petit garçon qui monte sur le toit parce qu'il y a un feu et il y a de la fumée très très dense tout autour de la maison. Puis le petit garçon est sur le toit et il se promène, il ne sait pas quoi faire, puis il entend la voix de son père, puis son père lui dit Je suis là, je suis là Et le petit garçon Mais T'es où papa, je te vois pas Et le père lui dit Saute Le petit garçon dit Mais je ne peux pas sauter, je te vois pas et le papa lui répond tu ne me vois pas mais moi je te vois c'est ça l'essentiel. Dans l'épreuve tu ne vois pas Dieu mais Dieu te voit c'est ça l'essentiel Dieu nous voit c'est ça l'essentiel. Et c'est pourquoi on est excité d'étudier le livre de Job parce que ça va produire sept choses dans notre vie. Premièrement, ça va augmenter ta connaissance de Dieu. Deuxièmement, ça va t'aider à comprendre la souveraineté de Dieu. Troisièmement, ça va nourrir l'espérance et la confiance que tu as en Dieu. Quatrièmement, ça va augmenter ton niveau de compassion envers ceux qui souffrent. Cinquièmement, ça va t'aider à répondre à des questions difficiles. Pourquoi Dieu permet telle choses dans ma vie? Sixièmement, le livre de Job est l'antidote à l'évangile de la prospérité. Et ultimement, le livre de Job pointe vers Jésus, nous aide à mieux comprendre la personne et l'œuvre de Jésus. Et pour ce premier message, je veux répondre, je veux tenter de répondre à la question, Dieu est-il en contrôle? C'est le titre du premier message, alors qu'on va regarder Job 1 et 2. Dieu est-il en contrôle? Je suis convaincu que tu as entendu parler de cette histoire euh, du, à New York. Où, euh, il y a une dizaine d'années, en 2009, euh, un avion a décollé de l'aéroport et il y a eu euh, immédiatement dès le départ un vol, une volée d'outard ou de Bernache, la même chose. Et les deux moteurs euh, se sont, ont été brisés. Et on vient, on vient de démarrer. On est vraiment on est en haut de Manhattan. On n'a plus de moteur. On ne peut pas se rendre à l'aéroport le plus proche. On ne peut pas revenir. On est coincé. Et le commandant, le pilote, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé le pilote automatique. A pris ça en main, et là, il y a un dilemme, et je t'évite les détails, tu peux retrouver ça, il y a un film qui a été fait là-dessus qui s'appelle « Sully », et finalement, le meilleur scénario, je te rappelle, aucun moteur, rien, on est simplement en train de voler, en train de planer, c'est de faire euh, amérir l'avion dans le fleuve Hudson, et c'est ce que le plot a réussi à faire, et c'est considéré comme le plus grand atterrissage de l'histoire de l'aviation. Et alors que tu veux une épreuve, alors que la, la, la vie t'envoie une volée d'outarde, alors que tu perds tes moteurs, tu perds tes repères. Quelquefois, tu peux avoir l'impression que Dieu a mis ta vie sur le pilote automatique. Quelquefois, on peut avoir l'impression que Dieu dirige ce monde en mode pilote automatique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un pilote dans l'avion. Il y a un pilote dans ta vie. Il y a un pilote dans le monde. Et oui, Dieu est en contrôle. Et la question qu'on qu se pose d'emblée, c'est que si Dieu est en contrôle, pourquoi permet-il le mal? C'est ce qu'on va regarder ce matin. Donc, prends ta Bible avec moi, l'Évangile, l'Évangile, oui. L'Évangile selon Job, on pourrait le dire comme ça, le livre de Job dans l'Ancien Testament, chapitre 1, nous commençons par les versets 1 à 5. Et la première chose qu'on va voir, c'est pourquoi Dieu a mis le livre de Job dans la Bible. Il y avait dans le pays d'Outs, donc c'est à l'extérieur d'Israël, c'est tout autour, c'est tout près, on n'est pas trop sûr, là, il y a deux, trois endroits, mais c'est important que tu comprennes qu'on est tout près. Dans le pays d'Outz, un homme dont le nom était Job, cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Et lui naquit sept fils et trois filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, tour à tour, pour donner un festin, et ils envoyaient une invitation à leurs trois sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job agissait toujours. Maintenant, on a ici en Job l'image du croyant idéal. Si Job travaillait chez McDonald's, il serait l'employé du mois. On voit que c'est un homme la Bible nous parle de son caractère il est intègre. Intègre vient de la même racine que intégrale. Euh, ça veut dire complet. Dernièrement, j'ai commandé un livre et j'ai reçu la version abrégée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait la version abrégée et la version intégrale. Il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont la version abrégée, qui prennent dans la parole de Dieu ce qui fait leur affaire. Et il y a des chrétiens qui, par la grâce de Dieu, Marche de manière intégrale, avec intégrité. Job est intègre, il est droit. Ça veut dire que non seulement dans ce qu'il est, il glorifie Dieu, mais dans ce qu'il fait. Job est droit, il ne fait rien de croche. Job ne ment pas, Job ne magouille pas, Job ne fraude pas, Job ne trompe pas. Job est droit, il craint Dieu. Il est. Ça, ça c'est une, une vertu qui se perd aujourd'hui. C'est-à-dire, il s'approche de Dieu avec révérence. Si j'allais dans un zoo et on me dit Est-ce que tu veux flatter le lion? Ben, je dirais oui. Mais je ne pas rentrer dans la cage en, en me dépêchant pour aller flatter le lion parce que en même temps, un lion peut être dangereux. De la même manière, on n'entre pas dans la présence de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On doit s'approcher avec respect, avec référence, parce que Dieu est bon, gracieux, mais c'est un Dieu dangereux, et il est Dieu. Job a la crainte de Dieu, il s'écarte du mal. Vous savez, la Bible, le psaume 1, dit Heureux celui qui ne marche pas dans le chemin des pécheurs. Beaucoup de chrétiens ralentissent sur le chemin du péché. La Bible dit que le christianisme, ce n'est pas ralentir sur le chemin du péché, c'est faire demi-tour. Job s'écarte du mal. Job a changé de route. Job a la famille idéale. On voit qu'il a sept fils, il a trois filles. Euh, quand tu regardes sur Instagram, sur Facebook, tu vois des photos de famille. Et on a toujours l'impression que c'est une famille idéale. Mais la réalité, on sait que c'est de la fausse représentation. Moi, en tant que père de famille, j'ai mis un paquet de photos de ma famille, puis tout le monde disait, ah, oh, wow, quelle belle famille. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant la photo, tout le monde se chicane, tout le monde a chaud, personne n'est content, tout le monde fait la baboune, et à gauche, tout le monde sourit, pendant on adore la famille idéale. Job a la famille idéale. Euh, il est prospère. Si Job vivait aujourd'hui, il ne conduit pas une Hyundai, il roule en Mercedes. Il n'a pas un petit bungalow, il a une grosse cabane. Job fait de l'argent. Job est riche, il est prospère. Il est le plus considérable des fils de l'Orient. Aujourd'hui, Job serait un influenceur. Euh, il a même un leadership spirituel christocentrique. Il est tellement parfait, ce gars a une bonne théologie. Son souci, c'est non seulement que ses enfants se comportent en bon chrétien, mais ils se préoccupent du fait qu'ils ont peut-être maudit Dieu dans leur cœur. Donc, c'est pourquoi il est christocentrique dans ce sens qu'il comprend que le croyant, n'est pas celui qui a une nouvelle moralité, c'est celui qui a un cœur nouveau. Vous savez, dernièrement, ma barbe est devenue de plus en plus blanche, et quelqu'un m'a dit, mais tu pourrais la teindre. Donc, je pourrais teindre ma barbe en noir, un beau noir. Possiblement que j'aurais l'air plus jeune, mais ça change rien à ce que je suis. Job sait que tu peux faire des choses quelquefois pour avoir l'apparence d'un chrétien, mais ça change pas ce que tu es vraiment. Ce que tu es vraiment est déterminé par ton cœur. Et Job a ce leadership spirituel. Job offre des holocaustes un homme qui se offre des sacrifices. Il fait des efforts pour plaire à Dieu. Et là, il y a des gens qui vont me dire, mais Pasteur Guétan, alors que tu parles beaucoup de la grâce, tu dis souvent, oui, mais on ne mérite pas la faveur de Dieu. Et là, tu parles de job, qui veut plaire, de job qui veut plaire à Dieu. Je rappelle une phrase super importante de Dallas Willard qui dit, la grâce n'est pas opposée à l'effort, mais au mérite. Ah, il y a deux manières de faire des cadeaux. Par exemple, c'est l'anniversaire de quelqu'un, tu veux lui faire plaisir, tu donnes un cadeau. Bien, tu ne t'attends pas à avoir un cadeau, c'est simplement pour lui faire plaisir. C'est une action. Mais au Québec, je ne sais pas si c'est comme ça en Europe, on a ce qu'on appelle des échanges de cadeaux. Donc, à Noël, échange de cadeaux. Tu arrives avec un cadeau, mais tu t'attends à avoir un cadeau. Sinon, ce n'est pas juste. Il y a des chrétiens qui sont avec Dieu dans un mode d'échange. C'est-à-dire, oui, je fais des sacrifices, je donne l'argent, je donne mon temps, je fais de l'effort, mais pour mériter quelque chose. Mais ce n'est pas ça que Job fait. Job, tout ce qu'il offre à Dieu, oui, il met ses efforts à servir Dieu, mais... C'est pour lui être agréable. Donc, la différence, c'est que l'effort est une action. Et le chrétien, on doit mettre tous nos efforts à servir Dieu, mais pas en pensant qu'on mérite quelque chose. Parce que le mérite, ça, c'est une attitude. Et ça, c'est mal. Et Job a la bonne attitude et les bonnes actions. Et en fait, pourquoi Dieu a mis le livre de Job dans la Bible? Pourquoi? Pour démolir l'évangile de la prospérité pour démolir le soi-disant évangile de la prospérité. C'est quoi l'évangile de la prospérité? L'évangile de la prospérité voit Dieu comme une machine distributrice. Je mets un dollar, je vais avoir un sac de chips. Je mets un dollar, je vais avoir une boisson gazeuse. Je mets un dollar, je vais avoir du chocolat. C'est je fais quelque chose pour avoir quelque chose. Beaucoup de chrétiens, et même toi qui m'écoutes, T'adores possiblement à une version, sauf de l'évangile de la prospérité. On prend des versets en disant, comme dans 3 Jean 1, 2, qui dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, on se dit, si je suis quelqu'un de spirituel, donc je mets du spirituel, je donne du spirituel à Dieu, il va me donner du matériel. On prend des versets bibliques qui disent, par exemple, apportez toute la dîme à la maison du trésor, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, il y a des chrétiens qui donnent leur dîme pour avoir encore plus de Dieu. Ce n'est pas un sacrifice de reconnaissance, c'est un investissement stratégique calculé. On est dans un évangile de prospérité, c'est une machine distributrice. Je donne quelque chose pour recevoir quelque chose. On prend des versets comme Josué 1,8 qui dit Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, alors tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, il y a des gens qui lisent la Bible. Pourquoi? Pas pour apprendre à connaître Dieu, mais lisent la Bible comme un dollar que tu mets dans la machine distributrice afin que Dieu bénisse ta job, que Dieu bénisse tes entreprises. Tu es dans un évangile de prospérité. Euh, la parole de Dieu dit que si tu sers Dieu, tu seras la tête et non la queue. Donc, on fait des choses pour Dieu, pour que Dieu nous donne plus d'influence. On prend des versets qui disent que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et on se dit, je mets dans la machine distributrice divine ma foi et Dieu doit me donner ma guérison. De la même manière que si tu mets un dollar et que la machine ne donne rien, tu frappes la machine, tu brasses la machine parce que tu t'attends à voir quelque chose. Il y a des gens qui croient que Dieu leur doit la guérison, que Dieu leur doit la guérison. Tu mets ta foi et quand Dieu ne te donne pas la guérison, tu brasses Dieu, tu brasses la machine pour essayer de provoquer quelque chose. Et encore une fois, on est dans l'évangile de la prospérité. Je donne quelque chose et je crois que le chrétien doit être en santé. Le chrétien doit marcher dans la prospérité. Sinon, il y a un problème. On dit, fais de l'éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Donc... On fait de l'éternel de nos délices, pas parce que Dieu est notre plus grand trésor, parce qu'on veut qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Et on est dans cette dynamique. Et le livre de Job, alors qu'on voit que ce Job fait tout ce qu'il doit faire, on va voir dans quelques instants que ça ne fonctionne pas. Le livre de Job est une bombe dans la parole de Dieu qui fait exploser l'évangile de la prospérité qui démontre que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas une machine distributrice. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, et retiens la question, c'est une excellente question, même si elle vient de Satan. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Wow! Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient à ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Alors, Satan se retirera de la présence de l'Éternel. » Et la deuxième chose, la deuxième question que le texte biblique suscite ce matin, ce soir, cet après-midi ou cette nuit, peu importe quand tu écoutes ce message, c'est pourquoi est-ce que tu sers Dieu? On voit maintenant une vision céleste. Okay? Notre, notre perspective passe de la terre au ciel et on a une cour angélique. Les fils de Dieu dans la Bible, c'est un autre, Désignation pour parler des anges. Et c'est comme le roi qui est dans sa cour avec ses sujets. Et là, Dieu est dans sa cour céleste, sur son trône de gloire, et les anges viennent à lui faire leur rapport et venir entendre les, les nouvelles, les, 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 de nouveaux ordres que Dieu va leur donner. Et on a Satan qui arrive aussi. Maintenant, tu dois comprendre que dans, à l'origine, le mot Satan, ce n'est pas un nom, c'est un titre. C'est-à-dire, ça veut dire adversaire. On voit qu'il a, il a un rôle et son rôle, c'est d'accuser. Tu vois ça dans Zacharie, on voit ça dans, dans l'Apocalypse également. Donc, cet ange qui est un adversaire, qui est Satan, lui, ce qu'il fait, il accuse. Et là, on peut se poser la question mais que fait-il dans la présence de Dieu? Tu dois comprendre que même dans notre justice terrestre imparfaite, tu as un juge. Tu as un procureur de la couronne qui accuse et tu as un avocat qui défend, pour avoir toutes les perspectives. De la même manière, Dieu est un juste juge et on voit que le rôle de l'adversaire, c'est d'être en quelque sorte le procureur de la couronne. Il accuse. Et ce que tu dois retenir, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu dit à Satan, As-tu vu mon serviteur Job? Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me rend nerveux quand Dieu se comporte comme ça. Hein, c'est comme, il dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? » Moi, j'espère que Dieu ne va pas dire à Satan, « As-tu vu mon serviteur Gaétan? » C'est comme, « Je veux passer sous le radar. » C'est un peu comme si tu as, as quelqu'un, tu un voleur qui vient à la maison, puis tu lui dis, « As-tu vu mes bijoux? » C'est comme, tu, tu cherches le trouble. Et on a l'impression que Dieu cherche le trouble. Mais en fait, c'est pas ça. C'est Dieu est fier de ses enfants. Je sais qu'il y a des gens qui ont discuté avec ça, mais c'est comme une, une fierté parental comme quand tes enfants ont des activités sportives ou peu importe des récitals, puis ton enfant fait un bon coup c'est mon enfant Alors moi j'étais là c'est mon enfant puis je me souviens quand mes enfants faisaient du sport pis à un moment donné mon enfant faisait une erreur là tout le monde me regardait je, dis, je regardais ma femme je c'est ses enfants elle on est fier de nos enfants. Dieu est fier de ses enfants. Lorsque le ciel souffle, il voit Jésus il dit Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous qui sommes en Jésus, Dieu nous regarde avec cette même fierté. En fait, j'aime ce que Philippe Yancey dit. Il dit que les chrétiens nous sommes des trophées de la grâce. Quand Dieu nous regarde, il est plein de fierté non à cause de nous, mais à cause de sa grâce. Hein, quand à la maison, tu regardes, il y a des gens, te as des trophées. Bien, ça te rappelle des exploits passés. Donc, tu es fier de ton trophée. Quand Dieu regarde à ses enfants, quand il regarde à Job, il est fier, pas à cause de Job, à cause de son œuvre de grâce dans la vie de Job. Et Job est un trophée de sa grâce. Pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 6 ou 7, que Dieu nous a sauvés pour célébrer sa grâce. Donc, Dieu est fier de ses enfants. Et Satan va poser une question à Dieu, qui est une question vraiment pertinente. Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ceux à la maison qui, qui avaient des, des, des chiens ou un chien. Hein? Toi, à la maison, tu as un chien. Hein? Puis beaucoup de chiens, ton chien, à un moment donné, il va faire. Il va se lever sur ses pattes, puis il va tourner, puis il va faire des trucs, il va faire des tours. Bon. Soyons honnêtes. Quand ton chien vient faire des, des, vient marcher sur deux pattes, puis vient tourner, puis il joue avec le ballon, puis c'est pas pour te faire plaisir. Je ne vais pas te faire de peine, là, mais c'est pas par reconnaissance. Pourquoi ton chien va faire ce que tu t'attends qu'il fasse? Ce n'est pas de manière désintéressée. Il veut le biscuit après. Le chien va faire ce que tu veux qu'il fasse pour avoir le biscuit. Et c'est ce que Satan est en train de dire. Job est le chien de Dieu et Job sert Dieu seulement pour avoir le biscuit. Satan est en train de dire que des chrétiens servent Dieu, non pas à cause de Dieu, mais à cause de ce qu'ils peuvent recevoir de Dieu. Et il dit dans le texte, il dit que Job sert Dieu parce que Dieu le bénit et protégé. Et ce que Satan est en train de dire de manière très très claire... C'est que Job sert Dieu pour avoir la bénédiction de Dieu et la protection de Dieu. Et cette question nous remet en question. Pourquoi est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que Dieu, je reprends l'analogie tout à l'heure, est-ce que Dieu est une machine distributrice pour toi? Est-ce que tu sers Dieu pour avoir le salut, pour avoir la provision de Dieu, pour avoir la bénédiction de Dieu, pour que Dieu mette sa main sur tes choses? Mais si Dieu retire sa main, est-ce que tu vas continuer de servir Dieu? Puis en fait, ce que Satan est en train de dire, c'est que Job te sert, mais touche à ses finances, puis tu vas voir qu'il va arrêter de te servir. Touche à ses possessions, tu vas voir qu'il va arrêter de te servir. Job te sert pendant que ça va bien, mais le jour où ça va aller mal dans son couple, il n'y aura pas le même zèle. Touche à ses enfants touche à ses proches. On va voir plus tard, touche à sa santé. En fait, ce que Satan est en train de dire, ce qu'il insinue, et c'est le cas de plusieurs chrétiens, Dieu n'est pas notre assurance, il est notre police d'assurance. Nous servons Dieu pour être protégés. Et le jour... Ou dans nos vies, des épreuves arrivent, et nous avons l'impression que Dieu ne nous protège pas, donc nous avons l'impression qu'il ne respecte pas sa part du contrat. Tout à coup, notre foi vacille. Et ça amène à la troisième question Pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bons croyants Pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bons croyants Et regarde, après cette, cet entretien à la cour divine céleste. Regarde les conséquences dans la vie de Job. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin, dans la maison de Job, un messager qui dit Les bœufs labouraient, les ânes passaient à côté d'eux. Des sabéens, donc des nomades, se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit Le feu de Dieu est tombé du ciel. Donc, c'est-à-dire il y a eu un éclair, a brûlé le petit bétail les serviteurs, les a dévorés. Je me suis échappé, moi, moi seul, pour te l'annoncer. Verset 17. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en trois bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête en signe de deuil, puis se jeta par terre et se prosterna et dit. Nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bons croyants? En fait, je pense que l'élément le plus problématique pour un chrétien, c'est... Oui, d'un côté, pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, puis pourquoi de l'autre côté, il y a des bonnes choses qui arrivent à de mauvaises personnes. Et Job, épreuve après épreuve, par toutes ses bénédictions. Et Job fait face à une réalité maintenant, il doit s'accrocher à quelque chose. Et à toi qui t es éprouvé, tu dois t'accrocher à quelque chose. Lorsqu'on fait de l'alpinisme, on doit s'accrocher au rocher. Tu peux pas t'accrocher à la personne à côté de toi. Parce que c'est instable. Tu peux pas t'accrocher à, à, à ton chapeau. Tu dois t'accrocher à quelque chose de solide. Parce que si tout part, ça, ça reste. Et tout part dans la vie de Job. Et Job s'accroche à Dieu. Et Job, dans sa déclaration, s'appuie sur trois vérités inébranlables de son Dieu. La première chose, il dit, Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je retournerai. Il s'appuie sur la grâce de Dieu. Job dit Quand je suis arrivé sur cette terre, je n'avais rien. Tout ce que j'ai eu vient de Dieu. Hein? Nu, je suis arrivé, je suis sorti nu. À tous ceux qui ont un enfant dernièrement, quand ton enfant est sorti du ventre de madame, est-ce que ton enfant est sorti avec des beaux vêtements, avec des beaux bijoux, hein, puis avec de l'argent? Non, mais non, mais non, mais non. Job réalise que sa santé, ses enfants, sa prospérité, c'est un cadeau immérité de la part de Dieu. Donc, Job s'appuie sur la grâce de Dieu. Deuxièmement, il va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Wow. Job reconnaît la souveraineté de Dieu. En fait, Job reconnaît que tout ce qu'il a eu dans la vie, c'est Dieu qui lui a prêté. Frères, sœurs, nous n'avons aucun droit sur cette terre. Tout ce que nous avons est un prêt de Dieu. Et lorsqu'on reconnaît que nos, nos proches, que nos biens, que nos bénédictions nous sont prêtés, que notre vie sur cette terre, que notre temps nous est prêté, on réalise que rien ne nous appartient et que tout revient à Dieu. Vous savez, moi, il m'arrive de prêter des livres. Ah, mais... À mon équipe pastorale. Puis pour moi, mes livres sont très précieux. Mais imagine que je prête mon livre à un pasteur, puis à un moment donné, je vais, je vais voir, puis je veux reprendre mon livre, puis mon pasteur est tout, est tout insulté. Pourquoi? Puis il a écrit son nom dans mon livre, puis je dis, Mais non, mais c'est comme je t'ai prêté, tu en as bénéficié pendant un temps, c'est normal que je reprenne à un moment donné. Donc, tu n'as pas à être fâché que je reprenne ce qui m'appartient. Et, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à vivre. Je sais, je sais, je sais. Et Job va dire L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Troisième grande vérité, que le nom de l'Éternel soit béni. Job, alors qu'il perd tout, il s'appuie sur la grâce de Dieu, sur la souveraineté de Dieu et sur l'adoration de Dieu. Job dit Peu importe ce qui arrive, mon adoration ne dépendra pas des circonstances. Un journaliste qui raconte l'histoire d'une dame qui a voulu passer l'aspirateur dans la cage de son oiseau. Puis bon, il a passé l'aspirateur. Et le téléphone a sonné. Il est parti répondre au téléphone, il est revenu. L'oiseau n'est pas là. L'oiseau était aspiré. Donc, en panique, ouvre l'aspirateur, sort le petit oiseau plein de poussière, décide de le passer sous l'eau. L'oiseau est traumatisé, l'oiseau tout mouillé. Donc, pour sécher l'oiseau, prends le séchoir. Décide. De... Pauvre oiseau. Et là, le journaliste se demande, mais et, et comment est votre, votre oiseau aujourd'hui? Ben, avant, il chantait, maintenant, il ne chante plus. On comprend. Puis il y a des frères et des sœurs comme ça. Tu es passé dans l'aspirateur de l'épreuve. Tu es passé sous l'eau froide de l'épreuve. Tu es passé sous le séchoir de l'épreuve. Et ta louange a été affectée. Et c'est normal. Mais par la grâce de Dieu, Dieu veut ressusciter ta louange. Job a tout perdu, mais il n'a pas perdu sa louange. Parce qu'il sait que l'adoration de Dieu, c'est ça qu'il garde. Le Dieu qu'il adore et le Dieu qui le préserve dans sa grâce. Donc, mon ami, il y a plein de choses que tu ne contrôles pas, mais tu contrôles ce qui sort de ta bouche. Que le nom de l'Éternel soit béni. Chapitre 2, le verset 1 à 7. Or, oh, l'histoire continue. Les fils de Dieu vers un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, une deuxième fois, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? La même chose. Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Voici le résultat du test de Job, de l'épreuve de, de Job. Il demeure ferme dans son intégrité. Dieu le souligne. Et tu m'incites à le perdre sans cause. Retiens ça, je vais y revenir. Satan répondit à l'Éternel, peau po pour peau. Po, hein, C'est un proverbe. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais il tend ta main, touche à ses os et à sa chair. À t'enlever tout ce qu'il avait, maintenant touche à vraiment ce qu'il est, touche à son corps, touche à sa santé. Tu vas voir. Ça ne sera pas la même chose. Donc, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan Le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Alors, Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et la question qu'on se pose en lisant cette portion du texte biblique, c'est pourquoi Dieu permet à Satan d'éprouver les croyants. Il y a beaucoup de pourquoi ce matin. Hein? Pourquoi Dieu a mis le livre, a mis le livre de Job dans la Bible pour démolir l'évangile de la prospérité qui, qui est trop présent aujourd'hui encore une fois. Deuxièmement, pourquoi est-ce que tu sers Dieu Avant de, de poser des pourquoi à Dieu, Dieu nous pose des pourquoi. Même si dans Par la bouche de Satan, pourquoi est-ce que tu sers Dieu Troisièmement, le texte veut répondre pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bons croyants. Alors qu'on n'a pas la réponse, on s'appuie sur la grâce de Dieu, la souveraineté de Dieu, l'adoration de Dieu. Quatrièmement, pourquoi Dieu permet à Satan d'éprouver les croyances C'est une question encore plus, plus intense. Et il y a cinq vérités qui, 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 qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi Dieu permet. La première chose que tu dois réaliser, c'est que les épreuves font partie de la vie chrétienne normale. J'aimerais t'annoncer autre chose. J'aimerais te dire que... La vie chrétienne, Dieu a prévu aucune difficulté. Que la vie chrétienne, ce n'est pas des difficultés, c'est comme j'aime le dire, c'est des facultés. Hein? Il n'y a pas de mot pour des facultés. La vie facile n'existe pas. On n'a même pas de mot pour ça. C'est des difficultés. Et les épreuves font partie de la vie chrétienne normale. C'est drôle parce que l'apôtre Pierre va dire dans son épître, 1 Pierre 4, 12, il va dire aux croyants, pourquoi vous surprenez-vous de vos épreuves, comme si c'était quelque chose d'anormal? Et Pierre va dire, au tout début, il va dire que l'épreuve sert de test pour fortifier, pour nettoyer, pour purifier notre foi. Donc, au travers de l'épreuve, Dieu fait une œuvre en nous. Deuxième chose que tu dois savoir, et je reviens, je vois une chose, là, une chose que je veux dire de plus. Les épreuves font partie de la vie chrétienne normale. Quelle est la fonction des épreuves? Je l'ai mentionné rapidement, mais je vais l'illustrer. Une histoire que j'ai souvent racontée, c'est qu'un jour, un homme a une vision, puis Dieu lui dit, tu vois le, le grand rocher devant, devant ta maison, pousse-le. L'homme ne comprend pas, mais il oublie à Dieu, puis il décide de pousser le rocher, pousser le rocher, pousser le rocher, puis finalement, le rocher ne bouge pas. Puis L'homme se décourage, puis à un moment donné, il se dit, Bien là, je ne peux pas passer mes journées à pousser un rocher qui ne va jamais bouger. C'est complètement absurde, il n'y a pas de sens à ce que je vis, cette épreuve-là n'a aucun sens. Dieu n'est pas un bon Dieu, Dieu ne se, se préoccupe pas de moi. Mais cet homme-là est un homme qui, qui quand même, c'est un croyant, puis il se dit Dieu me demandé de le faire, je vais le faire, même si je ne comprends pas. Et des mois plus tard, alors qu'il se plaint à Dieu en disant Tu m'as mis une épreuve qui ne sert à rien dans ma vie, parce que je ne suis pas capable de la déplacer, cette épreuve-là. Et Dieu lui dit Je ne t'ai jamais demandé de déplacer le rocher, je t'ai simplement demandé de pousser le rocher. Puis là, il me dit oui, Mais ça change quoi Il dit Regarde maintenant tes bras. Regarde ton dos, regarde tes jambes, regarde, tu es plus ferme qu'avant. J'ai fait une œuvre au travers de cette épreuve. Et Dieu permet des épreuves dans nos vies pour nous rendre plus fermes. Et voyez-vous, Job, Dieu témoigne, Job, voici, il demeure ferme dans son intégrité. Pourquoi Dieu permet à Satan d'éprouver les croyants? Pour faire une œuvre en nous. Deuxièmement, ton épreuve n'a pas, pas nécessairement une cause spécifique. Dieu dit à Satan, Tu m'incites à l'éprouver sans cause. OK. Voici, je vais dire tout ce que les chrétiens pensent tout bas. Lorsque quelqu'un est éprouvé, généralement, il y a deux causes. On va se dire soit que du péché, soit que cette épreuve est une punition pour un péché personnel, ou soit qu'on va pointer Dieu. En remettant en question la bonté de Dieu, en se disant, Dieu ne se préoccupe pas. Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? quand on entend, pourquoi Dieu permet ça? En fait, ce que ça camoufle, c'est une remise en question de la bonté de Dieu. Mais Job nous enseigne que les épreuves, que ton épreuve à toi qui est prouvé, ton épreuve n'est pas nécessairement causée par un péché personnel. Où ton épreuve n'est pas une preuve que Dieu n'est pas un Dieu plein de bonté. Donc, il n'y a pas toujours des causes spécifiques. Troisièmement, le texte nous enseigne que Satan est un instrument entre les mains de Dieu. Satan est un instrument entre les mains de Dieu. Pourquoi Job, tu vas voir dans le livre, Job deal avec Dieu, pas avec Satan? Parce que Satan est un instrument. Un peu comme le chirurgien qui prend le scalpel. Le scalpel, de prime abord, il blesse, mais le scalpel est un instrument pour la guérison. Et Dieu est tellement grand qu'il a une longueur d'avance sur le diable. Et alors que le diable, oui, il veut blesser, mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa toute puissance, dans toute sa sagesse, se sert de Satan comme un instrument pour faire une œuvre glorieuse dans ta vie. Et la quatrième chose que ce texte vous enseigne, c'est que Dieu est en contrôle, peu importe les circonstances. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, que ce soit une attaque du diable, Dieu est en contrôle. Que ce soit la nature, un jour, un arbre est tombé sur ma voiture. Dieu est en contrôle. D'ailleurs, les assureurs vont parler de « act of God ». Que ce soit les autres qui t'ont fait du mal, Dieu est en contrôle. Ça ne veut pas dire que Dieu est responsable, ça veut dire que Dieu est en contrôle. Peut-être que c'est toi... Que tout saccagé dans ta vie. Dieu est en contrôle. Et c'est pourquoi le chrétien croit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire peu importe la cause, au bout de l'histoire, Dieu est Seigneur et se glorifie dans la vie des croyants. Et la cinquième chose que tu dois savoir, alors qu'on veut répondre pourquoi Dieu permet à Satan d'éprouver les croyants. Et je te le dis avec beaucoup de compassion mais tu as une connaissance limitée de ce que Dieu est en train de faire. Le livre de Job, c'est 42 chapitres où tu vois Job et ses amis qui discours, qui discours, qui discours, qui discours, et personne ne sait ce que Dieu est en train de faire. Personne ne sait ce que toi et moi, on sait dans le prologue. Personne ne sait que Dieu est en contrôle. Et tu un peu comme Job, c'est-à-dire tu n'as pas l'histoire. Job ne sait pas ce qui se passe au ciel. Job est juste éprouvé, puis il ben, dit il ne comprend pas. Et tu dois réaliser que tu as une connaissance limitée de ce que Dieu est en train de faire. J'ai visionné dernièrement avec mon épouse un film qui s'appelle 13 vies. Tu peux trouver ça sur Netflix. C'est l'histoire. Probablement que tu t'en rappelles des, des, de 13 jeunes Thaïlandais qui. une équipe de soccer qui ont été dans une grotte en Thaïlande et euh, ils ont été profondément dans la grotte et. La pluie est tombée, donc la crue des eaux était très intense là-bas, et la grotte était remplie d'eau, puis ils ont été coincés là pendant des jours et des jours et des jours. Puis une des choses qui est intéressante, c'est que les jeunes sont dans la grotte, okay? ils sont profondément dans la grotte, ça prend des jours avant qu'ils voient quelqu'un, qu'ils voient des plongeurs qui viennent leur parler, puis on n'a même pas de plan encore pour les sortir. Et eux, pendant des jours et des jours et des jours, sont dans la grotte, sont dans les ténèbres. Une fois de temps en temps, ils voient quelqu'un arriver, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe, alors qu'à l'extérieur, il y a plein, il y a un plan qui se m'embranle, il y a plein de choses qui sont faites, il y a, il y a des tentatives, il y a, des, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Puis même, un point tel que la seule manière de sortir, parce qu'il faut nager plusieurs heures pour sortir de la grotte dans l'eau, ces jeunes-là n'ont pas l'habitude puis on se dit on va, on va leur injecter un, un somnifère, donc ils vont s'endormir, on va leur mettre la bonbonne, puis on, on va les sortir alors qu'ils sont inconscients. Ces jeunes-là, pendant des jours, ont été inconscients de ce qui se passait à l'intérieur. Quand on les a sortis de là, ils, ils dormaient, ils étaient inconscients. Donc ces jeunes-là se réveillent à l'hôpital et ils ne sont pas conscients d'un millième de tout ce qui s'est passé. Un jour, lorsque tu vas être dans la présence de Dieu, tu vas réaliser que présentement... Alors que tu as plein de questions de pourquoi, 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 tu n'es pas conscient de un millième de ce que Dieu est en train de faire. Et ça m'amène le dernier point. La vraie question n'est pas pourquoi tu vis cette épreuve, mais comment tu vis cette épreuve. Voici comment ça se termine pour ce matin. Et Job prit un tesson pour se gratter. Et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Wow. Mais il lui répondit Tu parles comme une femme insensée. Ah, L'insensé, insensé dans la Bible, c'est celui qui ne suit pas Dieu. C'est-à-dire, en quelque sorte, là, c est, c est, tu parles comme une non-croyante, tu parles comme une païenne, tu parles comme si tu ne connaissais pas Dieu. C'est ce que Job lui dit. Quoi Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Sa femme, elle arrive, puis sa femme, en fait, c'est Augustin qui, qui l'appelle <laughs> l'assistante du diable. Puis il y a des chrétiens comme ça. Il hein? y a des chrétiens qui, qui, qui veulent t'aider dans ton épreuve, puis finalement, ils sont les assistants du diable sans le réaliser. En elle, elle ne réalise pas, mais elle lui dit C'est-tu quoi, maudit Dieu et meurt Regarde comment c'est profond. Elle a la foi, elle croit à la réalité de Dieu parce qu'elle dit Dieu existe, puis si tu le maudis, il va te foudroyer. Elle croit que Dieu existe, elle croit à la réalité de Dieu, mais elle remet en question la bonté de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils si sont pas en question, est-ce que Dieu existe? Oh, Amen! Beaucoup de chrétiens croient à la réalité de Dieu, mais doutent de la bonté de Dieu. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est pourquoi tu vis cette épreuve? Pourquoi tu vis cette épreuve? Et par sa réponse, Job lui dit le plus important, c'est n'est pas les pourquoi. Et là, je paraphrase. Parce que le pourquoi tu vis cette épreuve, tu ne l'auras jamais. Nous disons pourquoi, mais Dieu est beaucoup plus préoccupé par comment tu vas passer au travers de cette épreuve, comment tu vas vivre cette épreuve. La parole de Dieu nous dit que Job, Job arrive, et Job ne pécha point et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. C'est ce qu'on a vu. Précédemment. Et on vient de voir qu'il dit, et Job va dire, en tout cela, Job ne à point par ses lèvres. J'ai entendu cette petite histoire mignonne dernièrement. C'est un, un petit oiseau qui vole, qui vole, puis à un moment donné, l'hiver arrive, le froid est là, tombe, euh, va dans un champ pour se reposer, finalement il devient gelé. Petit oiseau est gelé. L'oiseau se dit, ça y est, c'est fini, je vais, je vais mourir gelé. Puis, dans le champ, il y a une vache qui passe. Puis, la vache va, va faire ses besoins. Puis, elle va recouvrir le petit oiseau de glace de bouse. C'est correct. J'ai un pasteur à droit de dire ce mot-là. Ça passe, oui. OK. Donc, il y, y a de la bouse autour. Petit oiseau-là, l'oiseau se dit non seulement je vais mourir gelé, m'entourer entouré de, de bouse, ça, ça juste pas d'allure. Mais ce qui arrive, c'est que les excréments, la chaleur des excréments, font fondre la glace. Donc, finalement, ce qui semblait quelque chose de négatif amène sa délivrance. Et là, alors que tout fond, le petit oiseau est tellement content, sort la tête fait couic couic, très, très heureux, couic couic. Un, un chat passe, mange l'oiseau. Tu dis OK, pasteur Guetta, c'est quoi l'encouragement là-dedans Il y a trois leçons là-dedans. La première leçon c'est pas tout ce qui te met dans la boue, ce qui est négatif. Quelquefois, Dieu permet des situations comme ça dans nos vies. Mais cette situation-là, Dieu fait une œuvre. Tu ne sais pas, mais il prépare quelque chose dans ta vie. Il prépare une bénédiction, il prépare une délivrance. Dieu a la capacité de se servir de l'épreuve. Deuxièmement, ce n'est pas tous ceux qui te sortent de la bouse qui sont tes amis. Hein? On a vu cet oiseau, est oiseau qui. Puis le chat, le sorti de là. Puis il y a des gens autour de toi, malheureusement, quelquefois qui sont. On va voir, Job des amis qui sont de mauvais conseillers. Malheureusement, il y a des gens autour de toi qui sont de mauvais conseillers. Tu as besoin de gens autour de toi qui, qui, qui donnent la bonne nouvelle, qui, qui proclament la grâce de Dieu sur ta vie, la souveraineté de Dieu, qui, qui, qui t'amènent avec eux à, à louer Dieu. La dernière leçon de cette la petite, dernière petite morale de cette histoire, c'est que quand tu es dans la bouse, tu as intérêt à fermer ta bouche. Souvent de fois, les chrétiens... Lorsqu'on est éprouvé, c'est pas de la louange qui sort de notre bouche, c'est des plaintes, c'est des critiques, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça devient difficile parce que déjà nous vivons une épreuve, puis dans cette épreuve, on devient amer contre Dieu, donc on, on se coupe du soutien dans l'épreuve. Et Job, d'un côté, il va adorer son Dieu et de l'autre, il ne va attribuer rien de scandaleux à Dieu. Ça veut dire qu'il ne va pas remettre en question la bonté de Dieu. Il ne va pas remettre en question le plan de Dieu. À toi qui t es éprouvé, et nous sommes tous d'une certaine façon, certains plus que d'autres, tout le monde sera éprouvé tôt ou tard. Dans l'épreuve, ferme ta bouche. Dans l'épreuve, ne donne pas le droit à l'épreuve de. de de contaminer ton cœur, que l'épreuve ne soit pas une occasion, parce que c'est ce que le diable veut. Le diable veut que par l'épreuve, que tu remettes en question la préoccupation de Dieu, que tu remettes en question le fait que Dieu contrôle, que tu remettes en question que Dieu est bon, que Dieu prend soin de toi. Et j'ai vu beaucoup de personnes se débarrasser de Dieu dans l'épreuve. Mon ami, on ne se débarrasse jamais d'une épreuve en se débarrassant de Dieu. Et tu as besoin de faire la paix avec le fait qu'on n'a pas toutes les réponses. Le livre de Job va nous révéler, je termine là-dessus, que l'épreuve n'a pas la capacité de nous, de nous aider, ne nous permet pas de trouver des réponses. Dieu permet des épreuves, pas pour que tu trouves des réponses, pour que tu trouves Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans le livre de Job. Job va trouver Dieu. Je vais trouver Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Connaître Dieu, vivre avec Dieu, trouver Dieu. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'écoutent. Je prie particulièrement pour les frères et les sœurs, les amis qui sont éprouvés. Avec beaucoup de compassion, Seigneur, on ne veut pas minimiser l'épreuve. Je te, te prie simplement qu'à la lumière de la parole de Dieu, que tu puisses relever, relever nos têtes, qu'on puisse voir. Le Dieu qui agit dans l'épreuve. Oui, quelquefois tu permets que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Je vais le dire comme ça, de bons croyants. Mais ça ne remet pas en question ta bonté. Ce n'est pas parce que tu ne nous aimes pas. Ce n'est pas parce que tu ne te préoccupes pas de nous. Et oui, quelquefois tu permets à Satan d'éprouver tes enfants. Mais comme on voit dans le texte, tu fixes des limites. Satan ne peut jamais aller au-delà. De ce que toi tu détermines. Et ultimement, il est seulement un instrument. Et tu demeures le Dieu qui fait une œuvre en nous. Donc, Seigneur, donne-nous la grâce de cesser de dire pourquoi. Mais de recevoir par le Saint-Esprit la puissance d'en haut qui nous aide à vivre comment? Que dans l'épreuve, l'épreuve qu'elle qu puisse nous rapprocher de toi, que dans l'épreuve, que nous puissions, euh, Seigneur, apprendre à mieux te connaître. Que dans l'épreuve, qu'au lieu d'éteindre notre louange, que notre louange soit allumée. Donc merci, merci pour le livre de Job, merci pour ta parole, merci d'être le Dieu qui est plus grand que n'importe quoi, que n'importe quelle épreuve. Et je te prie pour une œuvre de consolation, une œuvre de réconfort pour tous ceux qui souffrent, Et une œuvre de compassion pour ceux qui ont des gens qui souffrent autour d'eux. Donc Père, comme toujours, je te prie dans le nom de Jésus par le Saint Esprit. Amen. Si tu veux en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, je t'invite à nous écrire à info à commercial, église portailcom et un membre de notre personnel te contactera dans les plus brefs délais. Et cette invitation est aussi valable à toi qui vis des défis, des souffrances ou bien qui a une requête quelconque. N'hésite pas à nous écrire, on va prendre le temps qu'il faut avec toi. Et en terminant, je vous dis merci. Merci de votre soutien, merci de votre soutien dans l'œuvre de Jésus. Elle continue de sauver et de transformer des vies encore aujourd'hui. Votre soutien est important et contribue à notre ministère qui est d'aider tout le monde à découvrir comment tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez faire directement un don via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don avec un s à commercial portail.com. Au nom de toute l'équipe, passez une belle semaine.